Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement. Et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Bienvenue à cet entretien présenté dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. J'aurai l'honneur et le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Marie-Claire Blais, grande écrivaine, et moi je m'appelle Claudia Larochelle. Sans plus tarder, je lui dis bonjour ou bonsoir. Bonsoir Marie-Claire! Bonsoir, bonsoir. Marie-Claire, vous n'avez plus vraiment besoin de présentation. On vous connaît beaucoup depuis la parution fracassante de La Belle Bête en 1959. La jeunesse fauchée en plein vol, l'homosexualité sont entre autres des thèmes majeurs de votre œuvre. Vous avez une grande, grande conscience aussi des opprimés et ça traverse aussi indubitablement vos romans. Dans Le bouleversement infini du monde, l'un des textes réunis dans Lecture de Marie-Claire Blais sous la direction de Daniel Letendre et Elisabeth Nardou-Lafarge, ça c'est paru aux presses de l'Université de Montréal en 2019, Michel Biron écrit ceci qui vous décrit très bien. Je trouve, de tous les romanciers de la Révolution tranquille, de tous ces romanciers qui participent à l'essor du roman québécois moderne, seule Marie-Claire Blais s'identifie avec autant de passion au monde d'aujourd'hui. Seule Marie-Claire Blais semble notre exacte contemporaine. Marie-Claire, vous témoignez toujours du présent avec une force de conviction incroyable, avec un style aussi, une voix unique à laquelle vous ne dérogez pas. Et vous n'y dérogez pas non plus cette année hein, avec ce somptueux roman, Un cœur habité de mille voix. Et oui, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de cœurs qui sont habités, des cœurs qui palpitent énormément dans ce roman-là. Comme le cœur de René, artiste, pianiste, trans, qui s'apprête à mourir et au chevet duquel se relaient ses amis, des amis vraiment pas banals, des éclopés, chacun, chacune à leur manière. Ils se rappellent des souvenirs, ils conversent, ils commentent, ils hurlent, ils aiment. Aussi passe par toutes les gammes d'émotions, parce qu'à l'heure de cette dernière fête organisée pour René, il n'y a pas de place pour la réserve. Tous et toutes ont suffisamment guerroyé. Et avec en arrière-scène les grands moments de militantisme pour les droits des homosexuels qui ont marqué le 20e siècle, Marie-Claire, vous renouez avec les personnages, quelques personnages de deux de vos importants romans, Les Nuits de l'Underground, qui était paru en 1978, et L'Ange de la solitude, en 1989. Et on y retrouve donc une galerie de femmes, surtout, dans ce roman, un cœur habité de mille voix. Il y a Johnny, il y a Doudlin, bien sûr, il y a René, musicienne, pianiste, et il y a aussi l'infirmière russe, Olga, qui ne cesse de rappeler à René qu'il est né femme. Et il y a tellement d'autres personnages aussi, puis je vous le dis, Marie-Claire, on s'attache. Bravo, vraiment bravo Marie-Claire Blais pour Un cœur habité de mille voix qui vient de paraître chez Boréal. Et merci d'être là. J'aimerais vous demander, comment allez-vous, Marie-Claire Blais, aujourd'hui? Je vais bien. Je tenais beaucoup. D'ailleurs, je suis touchée que vous nommiez tous ces personnages-là qui ont leur rôle dans la société tout en étant des gens qui ont été longtemps invisibles, ouais, qui vivaient de nuit. Ouais. Je croyais important tout d'un coup, hein, parce que c'est une coupure avec soi vers laquelle je reviens maintenant, mais ça m'a semblé extrêmement important qu'on fasse un jugement, un véritable jugement, un procès, une sorte de procès poétique ou enfin d'écrivain sur ces années où il y a eu de très grandes cruautés envers les homosexuels, mais surtout les hommes, mais aussi cette homophobie qui est malheureusement, même aujourd'hui, très installée dans le monde. C'est-à-dire qu'on prend ça comme
Il est naturel de faire mal à un homosexuel. Il est naturel de le punir, de le punir en public. Et ici, aux États-Unis, nous avons eu cette crise que Trump allait punir maintenant les jeunes transsexuels, c'est-à-dire les enfants, les adolescents qui sont transsexuels. Donc, il m'a semblé que nous vivions une crise dont nous ne parlions pas, qui est extrêmement grave sur le plan de la justice sociale, politique, et qu'il fallait absolument raconter l'histoire de ces jeunes filles qui ont vécu dans le secret. Nous remontons seulement à quelques années pour tomber dans nos années à nous maintenant, où normalement on aurait plus d'évolution, mais c'est toujours prêt à rejaillir avec la dictature. Et comme on était sur le point d'avoir un dictateur en Trump, il allait vraiment jeter le blâme sur ces pauvres jeunes gens et une véritable chasse aux homosexuels avait commencé. Donc, ça s'est fait à travers toutes les dictatures. Hein. Mais comme on croyait avoir évolué beaucoup, c'était un choc pour tout le monde de voir que cette injustice se répétait non seulement avec plus de force qu'avant, mais avec plus de gens. Avec le retour au pouvoir des Républicains, de Trump là, notamment, est-ce que vous pensez que là, voyez-vous de l'espoir en fait avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden qui est avec Kamala Harris aussi? On sent un vent de changement quand même. Le sentez-vous? Avez-vous gardé cet espoir-là que vous insufflez d'ailleurs à vos histoires? Oui, bien sûr, je pense que c'est merveilleux. Ça montre la force quand même d'un peuple d'avoir choisi le meilleur, le bien, oui. Contre le mal. Il a fallu que ces gens qui ont voté, moi je l'ai vu, ont voté dans la pluie, à travers l'épidémie. Enfin bon, ils ont eu un courage qu'ils auront encore dans 4 ans, mais c'était absolument remarquable. Cette victoire de Biden est tout à fait remarquable, et de Mme Harris, c'est extraordinaire. Et cela a changé, bien sûr, comme vous dites, tout le courant de malédiction dans lequel nous étions, tous au monde, dans le monde, cela a changé complètement. Mais il faut rester alerte. Et oui. Moi, j'ai écrit ce livre pendant la peur, pendant qu'il était encore là, Trump. Donc, il était encore là et il faisait beaucoup de menaces. Et il me semblait, un écrivain ne peut pas rester insensible. Il faut vraiment le dire. C'est atroce ce qui va arriver. Parce que s'il se permet de détruire les homosexuels, après ça va être les gitans, puis ce sera tout le monde. C'est une excuse, pour faire mal aux autres. Et je repensais à l'histoire de toutes ces jeunes filles qui aujourd'hui sont très épanouies, sont des professeurs à l'université, parce que les lois ont changé. Mais les lois ont changé parce qu'il y a eu le militantisme. Et je compte beaucoup là-dessus, sur le militantisme de René, qui est une femme, un homme, ou une femme, ou un homme, mais plutôt un homme, ouais. C'est-à-dire son choix, c'est la masculinité, ouais. Et il ne pouvait pas être homme à cette époque. Aujourd'hui, oui, il pourrait, mais il est trop tard. Il s'agit d'un homme qui a près de 95 ans, et qui se retrouve à dire la vérité, je n'en peux plus, je suis un homme et vous allez l'entendre. Et alors là, nous l'avons qui va à travers tout son militantisme. Et ce militantisme est récent, je veux dire, c'est une centaine d'années tout simplement. Il y a peu de temps qui nous sépare de ce militantisme. Et c'est là où
C'était extrêmement contemporain ce que nous vivons dans ce livre. Oui, le militantisme qui traverse ce livre-là est très, très fort parce que oui, on entend la voix militante de René, mais on entend aussi les convictions des autres personnages, de ces autres femmes qui sont là à son chevet, autour de René, qui veulent du changement, qui sont des poquées, là, je vais dire l'expression poquée, mais qui sont vraiment des gens qui ont traversé la vie avec la plupart avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de détresse aussi, et qui s'en sont sortis. Il y a toujours, chez vous, Marie-Claire Blais, malgré le chaos, malgré la noirceur, une sorte d'obscurantisme aussi, il y a toujours la lumière qui surgit, comme si vous étiez en proie à une lucidité constante. Et ça, j'aime ça. J'ai aimé retrouver ça, cette lucidité-là, encore dans Un cœur habité de mille voix. Et en vous lisant, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « Mais comment fait-elle pour rester toujours pertinente, toujours à l'affût, toujours branchée sur les grands mouvements du monde? » Parce que vous auriez pu, à un moment donné, devenir un peu aigrie ou abandonner un peu ou vous occuper de vos chats puis faire « off le reste. » Mais non, vous restez toujours très motivée et très lucide face à ce qui se passe. Ben, je pense que nous sommes, vous et moi, et tant de femmes, nous sommes très conscientes, beaucoup de l'injustice faite aux femmes. Et ici, dans ce cas-ci, bien sûr, les plus grandes injustices ont été faites envers les hommes, les hommes homosexuels. C'est incroyable, je le disais, à travers l'histoire. C'est incroyable tout ce qu'on leur a fait subir, par exemple, parfois la déportation, parfois la condamnation à mort, la pendaison. Et ça, on n'est pas loin là, on n'est pas loin, on est en Angleterre il y a quelques années. Et ailleurs dans le monde, ça se passe encore, hein, vous le savez. Absolument, absolument. Et la castration. Et dans le monde des jeunes filles, des filles jeunes que je décris et qui prennent leur place dans le monde pour devenir des adultes fertiles, des créatrices, et qui prennent une place dans le monde qui est exactement la place qui leur est due. C'est grâce aux lois, bien sûr, mais c'est grâce à leur force. C'est grâce à leur force, parce que quand les Polydor et Gérard sont dans une usine et que le patron veut les séparer sans trop savoir exactement ce qui se passe. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus cruel? Je veux dire que de vouloir mettre à la porte des gens qui ont une orientation sexuelle différente de la vôtre. Et ce mépris qui est transporté, même lorsqu'elles vont voir le maire pour parler, on est avancé à ce moment-là déjà, on est dans les années presque 80. Même lorsqu'elle voit le maire en disant on veut se marier, c'est vu comme une chose ridicule. Donc le mépris, l'histoire du mépris de ces jeunes femmes, il est constant. Elles ont à subir ça à l'université avec Louise qui veut terminer ses lettres et qui est méprisée par les prêtres. Ouais. On est, disons, au tout début dans les années 70, mais quand même, le mépris existe. Bon, il continue. Et ça m'a semblé extrêmement important de raconter leur lutte pour survivre et que les unes choisissent plutôt que de lutter avec ces gens-là. On va vivre de nuit. On va être invisible. Et c'est là où c'est dangereux. Vous habitez depuis une trentaine d'années, Marie-Claire Blais, à Key West. Et beaucoup de... En fait, ça a été le cas pour votre cycle Soif. Beaucoup des personnages que vous nous avez présentés dans le cycle Soif, vous avez été inspirés par des gens que vous connaissiez dans à Key West. Donc, est-ce que c'est le cas encore? Est-ce que c'est encore les êtres humains que vous voyez, que vous croisez, qui sont des sources d'inspiration constantes dans l'écriture? Oui,
avec soif, bien sûr. C'est un travail depuis beaucoup d'années, puisqu'il y a 12 livres. Mais c'est très, très inspiré par ces gens que je crois, comme tout le monde, universels. Hein. Et parce que j'ai eu le plaisir de les rencontrer, de les connaître de près, et parce que c'est merveilleux d'écrire des gens qu'on trouve exceptionnels, quand ce sont des grands artistes, des poètes, mais aussi c'est un petit monde en miniature. Hein, c'est les événements qui se passent ici, dans Soif, ils sont ailleurs en même temps. Ils se passent ailleurs. Ils se passent partout. Alors, on est dans le monde, mais un monde très miniaturé, plus petit. Un petit microcosme, là, c'est ça. Une île qui est le monde, mais ce monde-là est... Parce que dans Soif, il y a beaucoup de... On sent le temps passer et on sent aussi que les gens peuvent évoluer, changer. Même des grands bourgeois peuvent comprendre, essayer de comprendre la pauvreté ou le contraire. Et on entre dans l'âme des bourreaux comme dans l'âme de ceux qui souffrent des bourreaux. Donc, on essaie de rentrer partout dans les motifs de cruauté, mais aussi de bienveillance parfois. De notre société mondiale, parce qu'on est dans une société mondiale, on est dans une société globale. Oui, de plus en plus, on est dans cette ère de la mondialisation, justement, où oui, on a un contact direct assez fréquent, puis assez instantané aussi avec ce qui se passe partout dans le monde. Quand on parle de soif, donc vous avez terminé ou vous avez pris une pause de soif? J'ai pas trop compris. Est-ce que c'est vraiment terminé le cycle finalement? Normalement, le cycle devait se terminer sur Petite Cendre ou la Capture. C'est ça, oui. Qui est le 11e livre. Mais entre-temps, j'ai écrit Un cœur habité de 1000 voix, comme à part, comme. Et maintenant, je suis encore dans un 12e livre de soif. Mais très éclaté, plus éclaté que les autres, parce que c'est surtout perçu par le plus jeune de la famille, Augustino, qui est écrivain. Donc, c'est bien parce qu'on peut faire parler à la fois la jeunesse et le présent. Oui, les personnes, puis toutes les générations en cohabitent admirablement d'ailleurs dans ce que vous écrivez. Il y a toujours ces échanges aussi qui sont habilement menés dans votre œuvre entre les générations. Et puis on le disait précédemment, le pauvre côtoie le riche, l'ouvrier côtoie l'intellectuel. Toutes les classes ont droit à une voix, les bons comme les vilains aussi. D'ailleurs, ça m'amène à une citation dans la presse. Vous donniez une entrevue à Chantal Guy en 2018, puis vous disiez, c'est très intéressant cette citation, « Chaque être humain a droit à une voix. Même le pire criminel a droit à une voix, à sa voix, parce que ça nous éclaire sur ce que nous sommes. Ces gens qui ont fait des crimes incommensurables sont des êtres humains. Ils ne viennent pas d'une autre planète, mais ils sont dans une telle condamnation, c'est comme si on les avait mis dans un enfer et qu'on ne voulait pas ouvrir la cage de l'enfer. S'ils pouvaient se défendre, que diraient-ils? S'ils pouvaient renouveler leur vie, que feraient-ils? Est-on un nazi pour toujours ou peut-on changer? » Donc, vous croyez au changement d'un individu, en une forme de rédemption, finalement, peut-être? Je crois qu'on a tous une conscience. Même le plus perfide d'entre nous a une conscience. Mais on peut penser aussi qu'il n'en a pas. Je veux dire qu'il y a des gens doués sans conscience. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'il n'y ait pas dans chaque être humain une sorte de conscience, même si elle est basse, même si elle est... c'est sûr que nous voyons des choses terribles et nous ne pouvons pas imaginer que ces êtres-là ont des consciences.
Mais je me dis, avec le temps, je veux dire, on les laisse dans leur cage et leur enfer, etc. Mais quelque part, ils sont nés comme nous sur la Terre, ils sont nés avec des défauts, des qualités, et tout à coup, il y a une tangente vers le mal pur. Mais je crois qu'il faut, il faut regarder ce que tout cela représente, parce que c'est nous. C'est nous parce qu'on on pourrait, nous aussi, porter le pire. Absolument. C'est ça qui est très dérangeant. Ouais, c'est un peu angoissant même parfois, parce qu'on a nos parts d'ombre. Hein? Chaque être humain a sa part d'ombre. Puis on se dit, on n'est pas à l'abri, personne, je pense, de ce moment où on pourrait, comment dire, disjoncter. C'est ça. Et ça, vous réussissez à aller chercher les parts d'ombre chez chaque individu, même ceux auxquels on est attaché, ceux auxquels on croit, ceux dont on s'en tiche aussi. Vous faites ressortir la part d'ombre des individus. Dites-moi, Marie-Claire, bon, il y a eu, au fil du temps, il y a eu Anne Hébert, Gabrielle Leroy, vous-même aussi qui avez quitté le Québec. Puis là, ça nous ramène dans la période de la Grande Noirceur, dans cet obscurantisme-là qui régnait au Québec. Juste avant la mort de Duplessis, puis même un peu après. Puis là, même vous êtes allé en France, puis ensuite, vous êtes allé vivre aux États-Unis. Pour celles et ceux, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, qui n'ont pas connu cette période sombre-là, une période qui était sombre non seulement pour plusieurs personnes au Québec, pour des intellectuels, mais aussi pour des femmes artistes. Ça a été une période difficile, alors que vous veniez de connaître un immense succès avec vos premiers livres. Oui, je pense que nous avons des femmes artistes au Québec et au Canada qui ont beaucoup, beaucoup souffert et qui sont un peu comme la mère de l'abeille dans un cœur habité de mille voix. Ouais. La mère de l'abeille est compositrice. Elle compose une musique que finalement devient une musique d'église. Hein. Elle n'a pas même... On sait que Clara Schumann a une vie très, très, très dure avec un mari douloureux. Mais quand même, elle a réussi, malgré tout, à composer ce que nous entendions, sa musique aujourd'hui. Et peut-être que sans cette maladie, cette démence dont elle s'occupait beaucoup chez son mari, elle n'avait pas d'autre choix parce qu'elle l'aimait. Peut-être qu'on aurait une œuvre encore beaucoup plus complète de Clara Schumann, mais on a nos propres Clara Schumann au Québec et la mère de l'abeille qui finit jamais sa composition, qui écrit pour l'Église finalement, et c'est vraiment c'est tellement tragique, et c'est vraiment l'histoire de, vous avez sans doute des tantes, une grand-mère, enfin des gens que vous connaissez dans votre vie personnelle qui ont eu ce sort-là d'écrire, d'être des écrivains ou des peintres ou des femmes peintres ou des femmes musiciennes qui ont eu un sort malheureux comme ça, c'est-à-dire un sort de silence. Hein. Le silence. Bien sûr, bien sûr, des créatrices emmurées, des créatrices à qui on a refusé la liberté de créer. On a certainement été privés de grandes œuvres. Heureusement, ça n'a pas été le cas pour vous. On a pu vous lire depuis plusieurs années, puis on continue encore, grand bien nous en fasse, évidemment. Puis il y a eu Anne Hébert, il y a eu Gabrielle Leroy, j'ai nommé précédemment, il y a eu Atwood aussi, et tant d'autres ici au Canada puis au Québec qu'on peut lire. Mais je me dis souvent en y repensant, parce que je pense qu'on a ce devoir de mémoire-là, on doit se souvenir, nous comme femmes, d'où nous venons aussi. Et qu'est-ce que vous nous avez transmis? Mais je pense que je me dis, il y a eu un coût à ça, il y a eu un prix. Et de quelle manière, Marie-Claire Blais, ça vous a façonné ces luttes-là que vous avez dû mener?
je pense que les luttes que Jésus menait sont moins dures que celles qu'ont dû mener des femmes comme Claire Martin, par exemple, Germaine Gavremont, Françoise Oranger, je crois, dont on ne parle plus assez. Je veux dire, c'est incroyable, ça devrait être dans mon livre d'études. Alors, il y a eu tout ce, Marguerite Lawrence, il y a eu toutes ces femmes créatrices, Hélène Ouvrard, chacune, Michel Maillot, il y en a tellement. Alors que non, hein. Il y en a plusieurs qu'on pourrait nommer, beaucoup, et que tout est, il y a comme des destins, des grands fils qui ont été coupés là, de ces femmes qui avaient une pensée originale, et dans le cas par exemple de Claire Martin, une rage très noble. Et puis bien sûr, Anne Hébert, Gabrielle Roy, elles ont tellement travaillé fort, et elles ont ouvert toutes les voies, mais elles sont parties, elles ont eu raison. C'était intenable. Au Québec, hein? Oui, je veux dire, je pense que ce que décrit Claire Martin dans Un banc de fer, c'était intenable. Comment un auteur peut-elle survivre à cela? Mais bien sûr, on a eu des auteurs français qui ont beaucoup souffert aussi. Françoise Sagan a beaucoup souffert de sa jeunesse, en pleine jeunesse, d'un abus de son œuvre, d'un abus fait sur son œuvre et sur sa personnalité. Et on pourrait dire presque la même chose de plusieurs écrivains en France, des femmes qui ont beaucoup souffert d'être maltraitées par la presse. Oui, déjà, il y avait cette forme d'injustice, bien sûr, à l'endroit des femmes. Puis vous faites bien, de sortir de la noirceur les noms comme Claire Martin, Germaine Gavremont, Margaret Lawrence aussi. Évidemment, il faut retourner aussi vers ces femmes-là, les remettre à l'avant-plan. C'est vrai, on n'en a pas assez parlé dans l'histoire. Là, vous êtes aux États-Unis, on le disait, vous êtes à Key West. Comment vivez-vous la pandémie? Est-ce que vous prenez soin de vous? Là, vous êtes bien traité? Vous êtes en sécurité? Où vous vous trouvez là? Oui, malheureusement, le gouverneur de la Floride est très permissif et, comment dire, négligent et permet aux étudiants d'aller à l'école sans masque. En fait, c'est un crime de faire ça. Mais nous nous protégeons tous, nous avons tous, ici à Key West, il y a eu un assez grand degré de protection personnelle, mais c'est une épidémie qui éveille des choses abominables, pas seulement la mort et la maladie, mais il y a des manifestations en France contre le masque, et comme il y a des manifestations ici contre le masque, pas ici à Key West, mais à travers la Floride. Je veux dire, c'est incroyable parce qu'on accepte que les autres meurent. Oui. C'est comme si il y avait toute une partie de la population qui suivait pas, qui décidait de se rebeller. Et effectivement, on en paie le prix au final. Puis c'est vrai que ça aussi, c'est révoltant. Et je pense que c'est une des révoltes du moment. On a eu une pause avec l'élection de Joe Biden. Et puis là, c'est comme si après ça, il y avait eu la pandémie qui nous avait rattrapés. C'est comme si les malheurs sociaux ne nous laissaient jamais de pause finalement. Hein? C'est toujours un après l'autre. Il y a eu d'ailleurs au fil du temps plusieurs combats qui ont été menés aux États-Unis. Il y a eu le combat des Noirs pour les droits civiques et puis toutes les luttes aussi d'émancipation. Hein, vous en parliez, d'émancipation pour toutes les minorités. Il y a eu notamment aussi les victimes du sida. Hein, puis on sait, le sida a décimé la communauté de Key West dans les années 80, 90. Puis on a retrouvé dans votre œuvre des personnages aussi. On en parle d'ailleurs dans Un cœur habité de mille voix du sida et de ses ravages. En ce moment, quel combat vous semble le plus urgent, le plus puissant, celui qui ressort de ce que vous voyez aux États-Unis actuellement? Bien, je pense que
je pense que notre combat est universel. D'abord, le changement climatique, ça nous concerne chacun d'entre nous. Et je crois que si on n'y pense pas, si on est négligent, on va perdre bien des générations derrière nous. On va perdre nos enfants. Parce qu'on ne peut pas leur laisser un monde comme ça. Vous voyez ce que nous vivons maintenant. Louisiane, c'est lié à une folie climatique, un dérangement. Ce beau pays, la Louisiane, avec des gens qui ne sont pas riches, qui vont payer le prix encore. Et je pense que c'est le début de quelque chose d'atroce. Et que si on ne fait rien, c'est terrible. D'ailleurs, ça aussi, ça traverse votre œuvre, ce regard que vous portez sur les changements climatiques aussi, on le sent. Les questions d'incendie aussi, de feux de forêt dans un cœur habité de mille voix. Quand même, on sent déjà que ces peurs-là, que ces obsessions-là sont bien présentes chez vos personnages. Bon, qu'est-ce que vous avez eu l'impression de garder du Québec au fil du temps depuis que vous êtes à Key West quand vous écrivez? Est-ce que vous écrivez encore comme habité par la même foule de la Québécoise qui vivait au Québec avant? Avez-vous transporté ça jusqu'aux États-Unis ou les États-Unis vous ont aussi façonné comme écrivaine? Mais je pense aussi qu'on on est façonné par son pays, mais on est façonné par tout ce qu'on vit, hein, par un changement de pays. Mais bon, dans le cas de Anne Hébert, on a parlé d'un exil. Ça transforme beaucoup, bien qu'on reste fidèle à ses racines et à ses amis surtout, et beaucoup ouais. À ses amis. Parce que le Québec contient une telle richesse artistique et littéraire, ça reste toujours avec nous, et puis c'est éblouissant. Mais bien sûr, en vivant ailleurs, on apprend autre chose. D'ailleurs, c'est une... vivre à l'étranger, c'est toujours une leçon. Une leçon difficile parce que on apprend une autre langue, on rencontre un tempérament différent, des tempéraments différents, des pensées politiques autres. C'est à la fois une lutte et en même temps un échange, donc c'est très enrichissant. Et le français, la langue française, je sais que ça a longtemps été au cœur aussi de vos préoccupations, cette langue-là. Est-ce que parfois vous avez l'impression de lui être infidèle quand vous partez comme ça, quand vous vivez aux États-Unis, entouré de langue anglaise? Non, parce que on écrit en français. Ouais. c'est ce qu'on fait, hein? Moi, c'est ce que je fais depuis l'âge de... très jeune, hein, ouais. De travailler à la langue française. Et alors, ça devient bon, notre... tous les jours, on a le même combat pour bien travailler. Bien travailler signifie qu'il faut beaucoup de discipline. Et on se transporte avec soi. Hein, on a la langue française avec soi. Hein, et on est complètement préoccupé par cette écriture-là qu'on a commencé très jeune. Donc, ça ne finit plus. On ne fait qu'apprendre à chaque jour. Hein. Puis vous êtes une bonne ambassadrice du Québec aussi. Partout où on vous lit, où on vous traduit, où on commente ce que vous écrivez aussi. Est-ce que d'une manière littéraire, vous avez gardé un contact avec ce qui se publie ici au Québec, les nouvelles écritures, les nouveaux auteurs? Est-ce que vous vous gardez informé ou vous tenez à jour par rapport à ça? Oui, généralement. Généralement, oui, beaucoup même. J'y tiens beaucoup. Je fais partie de, comme beaucoup d'écrivains, de jury, quand au Québec, j'ai participé à énormément de jury
présidente de jury, enfin bon. Et ici, je participe à des jurys français, des jurys, jurys de la Fondation Monaco. Je n'arrête pas d'étudier des livres, de les recevoir à la porte. Et puis, alors bien sûr, tout ce qui se fait au Québec, je le vois, je le lis, peut-être souvent un peu en retard, mais en général, je le dis tout de suite. Et enfin, on a une littérature merveilleuse. Et puis, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit partout dans le monde. Oui, et bien oui, comme je disais, vous êtes une bonne ambassadrice. Puis effectivement, je trouve que pour lire beaucoup de livres chaque année à cause de mon travail, bien, je remarque que nos plumes, beaucoup de plumes féminines d'ailleurs, se démarquent à l'étranger, en France aussi. Il y a des nominations pour des grands prix. On a eu Dominique Fortier récemment qui a gagné le Renaudot de l'essai pour les villes de papier. Quand même, il y a comme une... Il y a quelques années, on parlait juste de... Bon, on parlait de vous, on parlait d'Anne Hébert, on parlait d'Antonine Maillet pour ne nommer que vous, là, mais il y en a eu d'autres aussi qui avaient reçu des prix internationaux, des prix importants. Et là, de plus en plus, il y a comme une vague de nouvelles voix féminines qui s'illustrent, qui se démarquent, et ça, c'est positif. Puis je pense que vous y êtes pour beaucoup, vous et d'autres qui vous êtes battus à votre manière en coulisses depuis longtemps. Ça, c'est bien parce que j'imagine que ça vous réjouit aussi de voir ce vent de nouveauté là, puis que les femmes sont présentes, les Québécoises, partout, hein, de plus en plus. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Quand on peut se souvenir de la joie que nous avions eue avec Antonine Maillet. Et je veux dire, c'était une révélation, n'est-ce pas? Et puis, ce que j'aime chez... la plupart de ces écrivains que vous nommez, c'est que elles ont été très encourageantes pour les autres. Ouais. Antonine Maillet a toujours été très encourageante pour les autres. Tout doucement, très, très tranquillement, elle est là pour l'avancement, le travail de la jeunesse, le travail, l'œuvre nouvelle. Et elle-même est une œuvre nouvelle. Il y a en elle quelque chose de toujours jeune, qui est magnifique. Et je crois que c'est ça, c'est de pouvoir continuer la chaîne. Et la même chose, on pourrait dire, de Margaret Atwood. Elle est très présente dans la poésie française maintenant. On l'a traduit. Et puis, elle a toujours été présente dans la traduction partout. Mais je veux dire, elle est aussi un écrivain qui est très solidaire, une femme très solidaire des autres écrivains. Donc, si nous sommes capables d'être solidaires, nous aurons beaucoup de création. Ouais, tout à fait. Surtout si on continue de vivre comme vous le faites, là, vous et les femmes que vous venez de nommer. On dirait que le temps n'a pas d'emprise sur votre psyché, sur ce que vous écrivez aussi. Ça, c'est précieux. Et je me demande toujours quand même, je me dis, quand on vieillit et qu'on est écrivaine, le temps passe, on essaie de se tenir à jour, on reste informé, on est toujours allumé par tout ce qui se passe autour de soi. On est dans un contexte de mondialisation aussi. Mais est-ce que parfois, le doute nous assaille quand même? Est-ce que vous êtes encore prise de certains doutes par rapport à l'écriture, par rapport à votre pertinence? Ça vous arrive, ça? Je crois que le doute, c'est pour tous les écrivains. Le doute, c'est notre bête noire. Ouais, hein? Parce qu'on peut travailler beaucoup, beaucoup, et puis tout à coup, on relit le manuscrit, on ne l'aime plus. Mais il y a, c'est quelque chose que je partage avec d'autres écrivains, le doute. J'en parlais avec Hélène Dorion, qui est un être qui doute beaucoup. Et je pense que je ne connais pas un écrivain qui ne doute pas. Je crois que le doute est tout à fait inhérent à notre profession, parce que nous avons un grand tableau qui est devant nous, d'illumination, de création,
Et on a toujours l'impression de faire un petit peu de ça. Et on a toujours l'impression qu'on va le perdre, que ça se perd, que ce soit... Il faut que notre mémoire soit très, très puissante pour conserver tous les détails. Et je pense que dans la vie courante, moi, c'est ma préoccupation. Le doute, c'est ma préoccupation. et l'incertitude. Ouais. Mais en tout cas, ça ne paraît pas parce que tout est affirmé avec une grande présence, avec une vraie force aussi, avec beaucoup de conviction. Alors, c'est fou comme des fois, l'écrivain, l'écrivaine peut douter, mais le lecteur ne voit pas passer ce fil du doute, le fil de l'angoisse ne paraît pas dans votre livre, en tout cas pas dans ce dernier, Un cœur habité de 1000 voix. Et moi, j'ai mis le titre parce que le titre, Marie-Claire Blais, décrit vraiment toutes ces voix qu'on entend. J'ai même pris des notes hein, pendant que je lisais parce que je voulais me rappeler qui était l'abeille, qui était Gérard 1 puis Gérard 2. Alors là, il faut vraiment prendre des notes pour ne pas perdre de vue tous ces personnages qui se parlent, qui reviennent, qui partent et qui sont toujours très pertinents, qui ont leur personnalité bien à eux. Je me dis, ça prend une foutue mémoire aussi pour suivre le fil, comme pour vous comme écrivaine, pour suivre le fil de chaque personnage avec son histoire, avec son passé, son futur, sa petite tragédie aussi intime. C'est fou le travail que ça a dû demander d'entrelacer ça puis de le réussir avec autant de conviction. Je me demandais, vos romans sont populaires, il y a beaucoup de, dans le sens de, sont dans, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de voix, c'est densément peuplé, voilà. Puis je me demandais, Marie-Claire Blais, est-ce que c'est pas un peu pour lutter contre la solitude qui doit vous habiter parfois, d'être dans le travail de l'écrivaine, qui est plus loin, qui est éloignée aussi de ses racines? Est-ce que le fait de faire intervenir plusieurs voix, c'est une manière de s'habiter soi-même aussi? Peut-être, puis ça peut être inconscient, hein, parce que on vit seul, on travaille seul pendant des heures, ça peut être inconscient, mais aussi, comme vous le dites, toutes ces voix sont pas seulement les voix comme Doudouline et l'abeille, etc., c'est aussi que René a en elle-même, et en lui-même, oui. a en lui-même beaucoup de voix, beaucoup de voix de confidente, beaucoup de voix d'amoureuse, beaucoup de voix de militantisme, et beaucoup de voix... c'est pour ça que quand il écoute la musique le matin, et cette musique où il y a à la fois la voix d'homme, la voix de la femme, dans un art qui semble tout à fait naturel. Je pense que là, il est tellement émerveillé d'entendre les voix qui sont en lui-même, c'est-à-dire parce qu'il y a en René, sa servante a raison, il y a une femme aussi. Bien sûr. Il y a une femme blessée. Mais cette femme-là est inexistante. Je veux dire, René l'homme l'a chassée parce que René est né homme. C'est pour ça qu'il y a toute cette confusion des voix. Parce qu'il est né homme, il est né femme, mais il se sent homme. Donc, il y a comme une imposture qu'il ne peut régler, qu'il aurait pu régler aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, dans notre temps. Oui, oui, aujourd'hui, mais, il aurait eu accès à ça. Dans notre temps, il pourrait. Mais à l'époque où il a vécu, particulièrement dans sa jeunesse, je pense qu'il se sent comme un jeune homme. Il se voit grandir comme un jeune homme. Mais qu'on lui rappelle constamment qu'il est une femme, et parce qu'on ne lui accorde pas le droit d'être. Et il y a cette question du corps aussi qui est blessée, c'est-à-dire
la boucherie des saints dont il parle, et tout ça. Aujourd'hui, ça n'existerait pas. Il aurait ses hormones, il aurait. Bon, on voit nos transsexuels d'aujourd'hui, ils sont très épanouis. Quand on les laisse bien vivre, c'est la condition. Mais il n'a pas connu cela. Il a connu que sa propre imitation de toutes ces voix qu'il entend. Et la voix de femme qui revient, je ne me souviens plus si c'est Olga ou Louise à un moment donné qui dit « C'est curieux, mais oui, tu es un homme, mais quand tu prends position pour nous, c'est la femme qui est en toi qui, là, se réveille et qui revient à la vie. » Comme si cette femme-là avait trop besoin de porter 1000 combats, qu'elle ne pouvait pas s'en aller complètement. Je trouve ça très beau, cette espèce de parallèle-là entre l'homme et la femme qui continue de cohabiter à l'intérieur de René. Oui, vous avez raison de voir ça comme une cohabitation. Ce n'est pas facile, mais il essaie d'avoir cette cohabitation. Mais je pense en fait que le côté féminin chez lui fait partie de sa bienveillance, sa bonté, son militantisme, je dirais, et que sa compassion aussi. Par exemple, à un certain moment, il est à San Francisco et c'est à New York. Il est à New York et en juin 73, quelque chose comme ça, et on fait mal à la tête, on donne un coup de brique sur la tête d'un manifestant. Et lui, il est là, il a une réaction, je dirais, maternelle, comme une femme qui voit son enfant arrêté, blessé, harcelé. Et très souvent, il a cette réaction de... Il a le côté voyou des garçons, parce que c'est ce qu'il a toujours imité. Ouais. Mais il a aussi un cœur de femme. Que Louise a réveillé, parce que c'est pas tout le temps là. Parce que c'est pas son rêve d'avoir un cœur de femme. Son rêve, c'est d'avoir un cœur dur, un cœur d'homme. Un cœur. Et non que les hommes soient tous durs, mais lui, il veut un cœur dur. Il veut un cœur endurci, disons. Impénétrable. Bon. Et ce n'est pas ainsi que Louise le voit. Elle voit qu'il a un cœur. Parce qu'il est toujours dans une histoire... Il est toujours dans des histoires amoureuses, sentimentales, donc c'est un grand sentimental. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la chair, qui a beaucoup aimé la séduction, on le voit, c'est de beaux souvenirs, mais c'est aussi lourd de sens après, parce que justement, il doit se justifier... quand Louise, c'est un grand amour dans sa vie aussi. Puis Louise, mais Louise, elle l'aime comme elle l'aime tel qu'il est. Oui. Elle l'aime tel qu'il est, mais ce n'est pas facile. Et puis, il y a de la brutalité dans tout cela, parce que la brutalité qu'elle réveille, que Louise éveille en lui, parce qu'il veut, une vie de garçon, il veut une vie libre, une vie d'homme qui va vers toutes les femmes qui lui plaisent. Or, ce n'est pas du tout ce qu'elle a choisi. Et là, il y a un malentendu. Mais, par contre, elle sera toujours là. Il l'appelle la petite épouse, mais elle est très grande. Mais il l'appelle la petite épouse animale, sa biche. Mais il a besoin de cette épouse. Il a besoin de cette stabilité. Oui. Je suis pas mal sûre que c'est le cas de plusieurs grands dragueurs, ça aussi, puis de plusieurs qui ont couru la galipote. Je pense qu'ils ont besoin aussi d'un ancrage. Puis là, on le voit vraiment chez René, cet ancrage-là auprès des siens, mais auprès de Louise qui reste coûte que coûte, qui est là, qui... Des fois, là, dans ce que vous avez écrit, là, c'est somptueux parce que parfois, c'est dans juste un micro-détail qu'on voit que... Toute cette charge qu'elle porte, Louise, à l'endroit de René, comme quand elle retourne la photo, hein, il y a une photo qu'elle retourne dans la chambre de René pour ne pas voir cette espèce de période du passé qui a habité René. T'sais. Ça, j'ai aimé aussi, les petits détails qui trahissent les personnages. Oui,
Oui, Louise a un rôle très, très fidèle, très ancré, enraciné dans cette vie, comment dire, tremblante, toujours vers le désir de René, assoiffée de désir de René, où il ne voit pas la fin. Hein. J'avais remarqué que lui, l'âge, ça ne compte pas. Hein. Non, c'est ça. Il ne voit pas la fin de cela. Mais il y a une chose très importante aussi, c'est Lali. Oui. Le frère. Le frère qui n'est pas transsexuel, mais qui est androgyne. Oui. Et il a quand même su garder et l'épouse et le frère. bien sûr, il a gardé aussi toute la compagnie, les filles, des jeunes filles, comme un cœur pour... C'est ça, c'est ça. Lui, il voulait tout, hein? Comme dans la chanson d'Ariane Moffat, il veut tout, toi et les autres aussi. C'est comme ça dans la chanson, il veut tout, pas de compromis, il veut tout garder, il ne veut rien perdre, René. Et c'est ce qui le rend charmant parce que c'est un peu ça que nous sommes. On veut rien perdre non plus. Puis même en prenant de l'âge, c'est comme s'il n'est même pas capable de laisser aller, de laisser partir, d'abandonner les choses. Il s'accroche. Non, il n'y a pas de résignation. Il n'y a pas de résignation. Non, jamais. Oui. Jamais de résignation, jamais incapable, c'est impossible. Il est habité par le désir encore. Et ça, j'ai trouvé... C'est tellement beau cette citation-là, Marie-Claire, à la page 145, quand il s'adresse à Louise. Parce qu'on parle de... Moi, je trouve que c'est pas mal les plus beaux passages. En tout cas, ceux qui m'ont touché le plus, c'est quand il y a un dialogue avec Louise, entre René et Louise. Alors, il dit ça, c'est la grande romantique en moi qui s'accroche, qui s'est accroché les yeux là-dedans, là, mais je vous lis la citation. Alors, il dit, « Vous dites que le désir est la dernière chose qui nous quitte. La fin du désir. Le désir ne peut cesser d'exister, pensait René, car c'est l'âme de la vie. On désire en naissant, on désire un peu moins en mourant. On désire parce que l'on veut être aimé par papa, maman. On désire parce que l'on aime, on désire, et puis plus rien. » C'est vrai que ça, c'est la page 145, c'est magnifique, là, ce passage-là sur le désir. J'ai juste sélectionné un court extrait, mais il y a plusieurs pages sur le désir. Le désir traverse, aussi, on n'en a pas parlé, mais le désir est là. Il y a l'amitié, il y a la force, il y a le militantisme, il y a tout ça, mais le désir est là. Et je me dis, le désir peut rester présent jusqu'à la fin, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que tout va mal, que c'est la fin, que c'est l'apocalypse même. Le désir lui reste. Oui. Oui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans sa personnalité, c'est que pour lui, le désir est immortel. il est comme Gide qui disait, je pense, il faut éprouver du plaisir même dans le tombeau. Enfin, je le refais. Et bon, là, lui, c'est il faut désirer jusqu'à ce que... Ouais. Qu'on respire plus. Parce qu'il apporte au désir la qualité de la survie, de la vie. Quand il voit autour de lui toutes ses amies qui sont revenues avec le temps, et il se dit, ah, mais c'est merveilleux, elles ont 50 ans, elles ont 60 ans. Bon, ben, elles ont encore pas mal de temps pour vivre le désir, tandis que moi, je ne serais plus là, mais la chaîne est partie. Et puis, donc, il est très content de ce retour au désir de chacun. Oui, elles sont parfois moins convaincues quand même. Moins convaincues. Elles ont plus de doutes, disons. Elles doutent plus que René. Il y a beaucoup, évidemment, c'est traversé par des questions fondamentales aussi, des questions qu'on se pose toutes et tous sur la mort. Les personnages réfléchissent à haute voix aussi sur la mort. Très beau passage aussi. Sur qu'est-ce qui nous attend après, l'espoir de retrouver, par exemple, les animaux. Parce que les animaux aussi sont présents dans votre œuvre, Marie-Claire Blais. Je pense aux chats, c'est inévitable, il y a toujours un chat quelque part. L'amour des chats est toujours
très, très, très présent dans votre œuvre. Et là, il y a ça, ce désir de « Ah, peut-être que quand on meurt, on retrouve tous ces animaux qui ont habité notre vie tout au long. » J'ai trouvé ça beau, ces clins d'œil à la mort, finalement. C'est comme une manière d'essayer de la comprendre, de la saisir, mais d'une manière qui n'est pas sombre, qui n'est pas pathétique ou appuyée dans quelque chose de trop noir. Oui, parce qu'il a quand même, une espèce de sens d'humour de lui-même. Il dit, bon, ben, l'éternité, c'est une rivière. Et puis la rivière, je ne sais pas la traverser, je ne sais pas nager. Et tout le monde va m'attendre et je ne pourrais pas les rejoindre. Bon, enfin, il fait tout un... il se fait toute une idée d'un paradis où il y aurait beaucoup de femmes, bien sûr. Bien sûr. Mais d'abord, les animaux. Mais pardon? Mais d'abord, les animaux. Les animaux, oui, les animaux qui sont là, ouais. Ce chat. Donc, il y a ce chat, Comtesse. Comtesse qui traverse le livre parce que il y a toujours cette question de est-ce que je vais revoir Comtesse? Comtesse, c'est son chat ou sa chatte, là, je veux pas trahir ses volontés. Est-ce que c'est une chatte ou un chat? Peu importe, c'est cette bête à laquelle il tient énormément et qui est partie. On espère le retour aussi de cet animal-là. Ça aussi, c'est l'espoir de retrouver la vie telle qu'elle était avant. Oui, puis lui, il voit, ça semble fou, mais il les voit tous autour de lui. Hein. Il a eu beaucoup de chiens, beaucoup de chats, et dans son salon bourgeois, là, il veut beaucoup les retrouver tous. Ils sont là pour lui. Ils ne sont pas là pour Olga, qui n'a pas beaucoup l'œil visionnaire, là, mais ils sont là pour lui. Est-ce que vous vivez toujours, Marie-Claire Blais, avec vous? Vous aviez 5 chats à un moment donné. Est-ce que vous avez toujours autant de chats autour de vous? Oh, malheureusement, je n'en ai que 3. Ah, mais ils sont là, ils sont présents. J'en avais 5, mais j'en ai perdu. On les perd et c'est la chose la plus terrible. Certainement, je peux comprendre, absolument. J'en ai moi-même un et ouf. Oui, non, c'est fou, hein? J'imagine que vous avez déjà réfléchi à ça, le lien entre le chat et l'écrivaine. L'écrivain, il y a un lien, il y a quelque chose depuis des siècles. Et je veux dire, Colette a vécu ça, Duras, Hemingway. Céline, le chat de Céline qui a voyagé à travers le monde, qui a suivi son maître, enfin, c'est tout... c'est étonnant, hein, je veux dire, ce sont des bêtes tellement fidèles, mais nous oublions que nous les avons que pour un certain temps, hein. C'est comme tout ce qui est sur la terre, c'est éphémère, mais il faut profiter de ce lien, c'est tellement important. Oui, absolument. S'il y a une chose qui n'est pas éphémère, ben ça, c'est bien les livres, en tout cas les vôtres, vos personnages qui nous habitent longtemps, qui sont là dans votre œuvre, Un cœur habité de 1000 voix. Est-ce que, avant qu'on se quitte, Marie-Claire Blais, auriez-vous un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire, notamment à votre lectorat du Québec, un lectorat qui vous est très, très fidèle, qui aime beaucoup votre souffle, votre langue, vos histoires et vos personnages? Ben moi, je suis très touchée par... ceux qui m'envoient des mots, ceux qui m'écrivent, ceux qui lisent mes livres. Et surtout, en ce moment, c'est notre lien extrême. Hein, je veux dire, nous sommes tous enfermés, nous avons été enfermés longtemps. Et recevoir un mot d'un autre ami, d'un lecteur, c'est un cadeau, un grand cadeau. Mais vous nous en faites un aussi, et je suis sûre que au Festival Québec en toutes lettres, ils seront bien d'accord avec moi, car c'est grâce à eux, hein, si cet entretien a été possible. Merci beaucoup, Marie-Claire Blais, de votre grande générosité. Je vous souhaite de bien vous porter longtemps. Portez-vous bien, écrivez-nous encore de grands cycles. Tiens, on va souhaiter ça, de vous voir écrire encore longtemps, de partager de beaux moments à Key West avec vos félins. Merci.
pour ce moment très agréable. Merci à vous, chers, on dit quoi, internautes, voilà, électrices, lecteurs de Marie-Claire Blais. Ça s'intitule « Un cœur habité de mille voix » et ça vient de paraître aux éditions Boréal. Merci et à bientôt, j'espère. Au revoir, Marie-Claire Blais. C'est à moi de vous remercier de votre grande générosité. Merci. Merci. Bonsoir.